Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et enfin je vais pouvoir vous faire découvrir les produits. Alors on va commencer déjà par le bundle et puis dans les jours à venir il y aura d'autres produits de l'édition Le Seigneur des Anneaux Chronique de la Terre du Milieu. Alors je vous ai déjà présenté en vidéo plusieurs vidéos là-dessus et puis comme ça maintenant je vais commencer par les ouvertures et puis après on verra aussi les analyses petit à petit. Donc alors ce bundle qui coûte à peu près 60 €, donc c'est des produits qui sont un peu plus chers que les éditions normales, mais bon, après, comme je ferai une vidéo d'analyse et de stats, je vous donnerai tout plein d'informations et de statistiques sur les produits. Alors, il contient 8 boosters d'extension et on a aussi pas mal de choses qui sont intéressantes. 20 terrains premium traditionnels, 20 terrains de base normaux. Bon, ça c'est important. Donc, les 8 boosters, on a aussi 4 cartes de paysage montagne du dessin à illustration alternative sans bordure premium traditionnelle. Donc la boîte qui est plutôt sympa, un compteur de points de vie et 2 fiches de référence. Donc c'est parti les amis pour cette édition qui est assez extraordinaire. Donc c'est une édition basée, c'est un mélange entre Magic et entre le Seigneur des Anneaux. Donc c'est vrai que Magic aussi avait déjà des références un peu fantastiques. Et là on a vraiment... la boîte elle est magnifique, franchement. Waouh, superbe boîte, vous voyez. Estampillée avec l'anneau. Oh, elle est incroyable cette boîte les amis. Une boîte de fou avec la lave. Oh, superbe, superbe boîte. Alors, je suis bien content de pouvoir faire ces ouvertures. Et donc, à l'intérieur, on a le dé. Oh, il est aussi incroyable, le dé. On dirait qu'il est écrit en elfique. C'est peut-être un peu le cas aussi. Il est vraiment super beau, ce dé. On a donc les terrains. Je vais de toute façon tout vous faire découvrir, tout ouvrir. On a les boosters. Et puis après, on a aussi, vous voyez, ça c'est Sauron. On a des jetons qui sont intégrés dans le carton. Je referme la boîte. Et puis maintenant, je vais vous faire découvrir le contenu plus en avant. Cette boîte est assez incroyable. Je vais me mettre sur le côté comme ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 boosters d'extension. Il peut y avoir des cartes The List dedans. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc 2 cartes publicitaires qu'on va mettre ici sur le côté. On a aussi... Oh, Frodo. Frodo Fléau de Sauron. Pourquoi Frodo et pas Frodon? Bon, ok, allez, on va découvrir ces cartes. Et puis surtout, je vous dirai tout si elles ont de la valeur ou pas. C'est vrai que j'espère trouver des cartes sympas. Donc il y a normalement 4 cartes promo dans chaque bundle. Alors ce sont des très belles cartes, vous voyez. Ce sont des cartes en version premium, en version foil. Donc là, c'est la 448, c'est indiqué ici. Pour la collection, on a aussi Sam Sagas l'Intrépide. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes dans tous les bundles, mais bon, ça, hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gollum, conspirateur patient. Et ce suivant, 448, 49, 50. Et l'anneau unique. Ah oui, c'est la fameuse version. A priori, il y en a un dans chaque bundle. Donc c'est la promo 451. Elle est super belle. Alors ça, rien que pour ça, rien que pour cette carte, au moins en achetant un bundle, vous avez un anneau unique, au moins dedans. Bon, alors tout le monde l'a, mais au moins c'est plutôt pas mal. Elle est, c'est top, top, top. Et là, donc, on a les cartes. Donc, plaine, île, marais, montagne, forêt, et à nouveau, plaine. Hop. Voilà, on les a en version foil et en version normale. Donc, on a les 20 terrains, comme ça. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour les collections, surtout pour les collectionneurs. Allez, les amis, maintenant, on va ouvrir ces premiers boosters. Donc, ce sont des boosters d'extension. Après, je vous réserve aussi d'autres vidéos sur des boosters collecteurs. Il y aura plein de trucs, plein de vidéos sur ces produits qui sont un peu hors normes. Et puis, en même temps, j'essaierai aussi de voir les stats, suivre les stats un petit peu de cette édition. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ruptures de stock. Les prix des produits ont monté. Les premiers boosters d'extension. Et là, les hard cards, elles sont belles. Elles sont vraiment, en plus, basées sur Seigneur des Anneaux. Là, ça va être des cartes de fou. Donc, première carte, très très belle. Bon, je commence avec une forêt en version foil. C'est dommage parce que j'en ai déjà une dans les 40 terrains. Donc ça, c'est dommage. Après, on a fouet du Balrog. Commune. Salfin en commune. Patrouille de Sirith. Une gaule en commune, embuscade d'Arachné, une commune, c'est que du noir pour l'instant, bon. Peu commune, Bill le poney, je suis pas allé voir les cotations s'il y a des cartes qui sortent un peu du lot. Peu commune, verte, faire mijoter les lapins.
shérif de la comté, un peu commune, mais ça, je vous dirai dans la vidéo d'analyse et de stats, hein, c'est quelque chose d'intéressant. Poire de beurré, aubergiste de Brie. Ah, levée du jour. Ah oui, c'est ça ressemble. Il y a une fresque avec 16 cartes. Et je vois, c'est la 427, et je me demande si elle ne fait pas partie de cette fresque quand je vois les chevaliers comme ça. C'est plutôt intéressant, un peu commune. Oh, une mythique! Le guetteur de l'eau, premier booster et une mythique, la numéro 75. Je sais pas, peut-être qu'elle vaut qu'un euro, hein, on va pas non plus s'enflammer. Mais là, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, j'aurais dû décaler. Hop, on va refaire comme je le fais d'habitude. C'est-à-dire de visu. Je vais vous proposer les cartes comme ça sera plus pratique. Allez, une première mythique. On a une foil, bien sûr. C'est une commune foil. C'est cerné par les orques. Il y en a de toute façon dans chaque booster, d'extension. Hein. Et on a Orc et Armée. Je vais mettre là. Orc et Armée, ok, c'est un jeton. Numéro 6. C'est toujours intéressant. Alors, les jetons sont toujours plus compliqués à avoir. Donc, c'est vrai que je suis bien content d'en avoir au moins un. Hop, on va faire comme ça. Comme ça, je vais pas. Alors, ça commence bien avec cette mythique. Je sais pas s'il y a une grosse valeur ou pas. Mais j'ai hâte de le découvrir. Ça, je vous dis à tout dans la vidéo d'analyse de stats. Hein. Attention parce que le bundle, il est à 60€, il est plus à 45€ comme avant. Alors là, ouh, ça c'est super. C'est une arcade, mais signée. Alors, elles sont encore plus recherchées. Généralement, il y en a l'ordre de 2 à 3. Une fois, ça m'arrivait qu'une fois dans les boîtes de 30 boosters d'extension. Une fois, ça m'arrivait d'en avoir qu'une. Hein. Allez, montagne. Alors, le terrain, des fois, il est en version foil ou pas. Bannir d'Edoras. Médecine ensorcelante, blessure du couteau de Morgul, brouillard sur les hauts des Galgag, Gorbag de Minas Morgul. Alors ces boosters d'extension, j'ai l'impression que c'est des boosters de draft. Alors, je me trompe ou quoi? Parce que ils commencent par des communes. Non, ce sont bien des boosters d'extension. Avant c'est mélangé, on peut se retrouver avec des communes et peu communes dès le début. Hein. Tromperie selon Saruman. Saruman le Blanc. Grishnak, instigateur effronté. Salfan, alors c'est une commune, je pense, extra. Une rare, Gandalf le Gris. Ok. Allez, hop, on arrive à la foil. Perdu dans la légende, c'est une peu commune foil. Et, oh, dommage, une carte publicitaire sans grande valeur. Bon, et rien de plus. Allez, on va prendre le booster numéro 3. Alors, il peut y avoir des cartes de liste. Normalement, c'est tous les 4 boosters. Donc, et puis, alors, les cartes de liste, il peut y avoir des super trucs. Alors, la hard card en premier. Très, très belle carte. Et c'est après il. Dard de Hobbit. Bravoure de Pipin. Nombreuses séparations. Deuxième petit déjeuner. Ouais, en premier, les communes. Après, les peu communes. Rosie Chaumine de l'Allée du Sud, Pérégrin Touc, Meriadoc, Brandebouc, Bilbo, cambrioleur à la retraite, Shérif de la Comté. C'est marrant parce qu'avec cet anneau dans le logo, je trouve les cartes vraiment très très belles. Oh, elles sont très belles et ils ne sont pas ratés là, franchement. Samsagas Gamgee, en rare. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Gimlin, compteur de mort. C'est une extra, donc avec l'anneau, enfin une carte en forme d'anneau, vous voyez, en version foil. Peu comme une foil. Oh, elles sont très très belles. Vraiment. Top. Et ah, bah voilà! Alors, une carte de liste. Alors, elles sont en version originale en anglais. Et ça, c'est de l'édition Odyssey Sinra Ernest Fellowship. Alors. Par contre, je ne sais absolument pas si il y a de la valeur ou pas. Je vais la mettre de côté, mais ça peut être très bien des cartes qui vont être super cotées. En tout cas, je l'espère. Surtout l'édition Odyssey, c'est quand même une édition des débuts des années 2000, je crois. Donc, allez, un autre booster. Bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Il y a pas mal de trésors à les farfouiller, puis même l'anneau unique. Enfin, je sais qu'il y en a un dans chaque bundle, mais bon, c'est une carte qui sera peut-être recherchée quand il y aura des ruptures de stock. Alors, la hard card. Hop. Je vais essayer de les mettre comme ça. Allez. Montagne. Soldat de l'Ost Gris. Aigle du Nord. Évasion d'Orbentan.
Isolement à hors tank. Épée des Galgas. Galgas. Frodo Sakai. Pas appelé Frodon, mais Frodo. Hein. Gollum, conspirateur patient. Sam Sagas, l'intrépide. Oh, elles sont belles ces cartes en forme d'anneau. Le Golas, compteur de mort. Carte extra, vous voyez, c'est oh, superbe, des superbes couleurs, vraiment. Fangorn, berger des arbres en rare. Je sais qu'il y a une rare, je ne sais pas si c'est une rare bleue, qui est cotée à plus de 30 euros, les amis. Il y a des cartes de fou, vraiment, dans cette édition. Je ne sais pas, j'aurais dû essayer de répertorier avant. Uorn, enragé en commune foil. Et en dernier, un jeton. Smaug, le numéro 7. Bon. Il n'y a pas eu plus que ça dans ce booster. Alors après, il y aura peut-être des cartes plus communes qui vont prendre de la valeur, je crois qu'on dit, c'est un peu plus recherché que les autres. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, on arrive à la hard card pour ce cinquième booster. Hop, Marais. Attends, un terrain foil. Lambas. Et Ent généreux. Chien de garde des champignons. Warg menaçant, un peu comme une broyeur le briseur de porte, saut de feu gobelin, la peur, le feu, les ennemis. C'est bien, moi j'ai plein de cartes différentes. Oliphante en commune extra, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les extras, c'est un truc de fou, vraiment de très très belles cartes. Un anneau, Legolas maître archer en extra, enfin un anneau, une carte anneau, pardon, en forme d'anneau. Et c'est une rare. Oh, j'ai hâte d'aller voir sa cotation. Ça peut être pas mal. Porte de Durin. Rare multicolore. Une foil Gimlin Cortin compteur de mort. Un peu comme une foil. Et un jeton esprit. Ah bah écoutez, cette rare, j'ai hâte d'aller voir. Parce qu'il me semble que du côté du vert, il y a aussi peut-être des cartes un peu cotées. En tout cas, il faut que ça monte. Parce que 60 euros, pour l'atteindre la rentabilité, il va falloir quand même qu'il y ait quelque chose. Alors après, évidemment, quand je vais vous faire la vidéo d'analyse de stats de cette ouverture, pour les cotations, bah, les cotations, ça va évoluer, mais je pense que dans le temps, vu que c'est une édition qui sera beaucoup plus recherchée, les prix devraient monter. Allez, la hard card, qui est à nouveau très belle. Hop, montagne, olifante, araignée de la forêt noire, chauve-souris de la forêt noire, comte de Tinuviel, un peu commune, don de cheveux, un peu commune, Gandalf, ami de la comté, un peu commune, Elrond, seigneur de Foncombe, chevaux de la Bruinen, un peu commune, et chauve-souris de la forêt noire, en commune extra. Ouh, ces extras ont des dessins hallucinants, magnifiques. Lobelia Sakai de Besace, c'est une rare noire, ok. Ok, qu'est-ce qu'on a en foil? Une commune, Crebin du pays de Dune. Et ensuite un jeton humain et soldat. Bon, il nous reste deux boosters. Bah écoutez, là pour l'instant j'ai cette mythique qui est plutôt pas mal. Une rare extra à voir. J'ai aussi cette carte The Lys qui est plutôt pas mal. Mais en termes de l'édition, bon, la mythique, je sais pas. J'espère que la mythique elle est cotée, mais c'est vrai que pour l'instant en termes de foil, j'ai pas eu grand chose. J'ai eu que des peu comme une foil. On va voir. Allez, il reste deux boosters de toute façon. Oh super, un terrain foil, regardez comme il est beau. Ce terrain, alors c'est les fameux terrains, il y en a 10 hein, comme ça, ce sont les cartes des terrains en forme de cartes du Seigneur des Anneaux, et là je l'ai en version foil, alors là c'est pas mal du tout. Feu d'Hortank, il me semble qu'il y en a un version foil dans chaque booster collector. Jeté dans le feu, pour fondre l'impérissable, gobelin balafré au combat. Bassin de boissons antiques, un peu commune, longue liste des Hans, restauration antique. Vif sorbier hante impétueux. Ah, il y a beaucoup de vert là. Allez, hop, encore du vert. Vif sorbier hante impétueux. Ah, c'est marrant parce que j'ai les deux cartes, la version extra, la version normale. Ah, bah, dans le même booster. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Et on a du vert. Une mythique. Oh, oh, le truc de fou, les amis. Oh là 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 là, la Ono unique. Eh ben j'ai la carte de l'édition. Alors là, non, mais c'est un coup de bol incroyable. Alors là, franchement, malheureusement pour tout le monde, il n'y en aura pas dans tous les trucs, mais l'avoir dans un bundle, c'est un truc de fou, les amis.
L'anneau unique! Oh là 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 là! Alors là, je pense que je suis rentable. Vous savez quoi? Attendez, je vais poser la carte parce que il va falloir que je la mette sous pochette plastique. D'ailleurs, je vous invite à voir mes vidéos à ce sujet. J'avais pas prévu, en fait, j'avais pas pensé à ça. Mais protégez bien vos cartes pour pas qu'elles s'abîment. Vous avez plusieurs types de pochettes. Il y a des pochettes qui sont proches de la carte. Et donc, ça, c'est très important. C'est pour éviter que votre carte, les coins de votre carte, quand vous la manipulez, s'abîment. Donc voilà, les amis. Et ben, voilà à quoi ressemble l'anneau unique. Là, je revis vraiment, vraiment, vraiment. Allez, je la mets là. En tout cas, et puis en plus, j'ai une rare foil. Sam Sagas, Gamji, oh, c'est un truc de fou. J'ai une rare foil et une carte The List. Alors, c'est quoi? C'est War of the Spark, Tolsimir Front to Wolves. Bon, je pense pas qu'elle est super cotée parce que c'est une édition qui est pas top. Ils ne sont pas, mais bon, en tout cas, bah, écoutez, voilà, hein, voilà, c'est l'anneau unique, c'est la carte que tout le monde veut avoir. Alors, je sais qu'il y a une carte mondiale, mais au moins celle-là de l'édition, c'est bien de l'avoir. Surtout pour les collections, surtout que je pense que les prix vont monter, elle va être difficile à trouver après. Si vous la voyez même à 35 euros, ben, je me demande s'il ne faut pas l'acheter à ce prix-là si vous la voulez. Allez, c'est parti. Oh, encore un terrain comme ça. C'est le dernier booster, les amis, de ce bundle. Avec Martin Pêcheur dit Tilien, Crebin du Pays de Dune, Tromper le Messager, Trahison d'Isengard. Landroval témoin de l'horizon. Meneldor sauveur rapide. Gveir le seigneur des vents. Remontrance sévère. Meriadoc brandebouc en commune, un peu commune extra avec cette forme d'anneau. Superbe carte. Une rare Boromir gardien de la tour. Allez, la foil maintenant. Hop! C'est une commune foil guide Galadrim. Et ensuite un jeton. Nourriture, donc voilà les amis, c'était l'ouverture d'un bundle de l'édition Le Seigneur des Anneaux Chroniques de la Terre du Milieu. Donc dans chaque bundle, les amis, un petit récap, vous aurez de toute façon ces 4 cartes. 4 cartes promo, je crois qu'il y a avec cette carte anneau, elle est dans tous les. Alors, je pense que les 4 sont dans tous les bundles, donc c'est pas mal, vous avez une carte anneau. Et les amis, j'ai été très chanceux. Alors, les hard cards, j'en ai une signée, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a ce dé qui est vraiment très très beau. Après, dans tous les boosters, vous avez au moins une hard card ou une carte foil. Donc en termes de carte foil, bon, j'ai pas été super super gâté, mais il y en a quand même une, celle-là. Mais sinon, j'ai eu deux cartes The List. À vérifier, celle-là peut-être un peu cotée. Je vais vérifier, mais j'ai eu surtout les amis. Voilà, deux cartes mythiques en 8 boosters d'extension, c'est quand même énorme. Dont cette carte, l'anneau unique, que tout le monde rêve d'avoir, que je rêvais d'avoir, et le guetteur de l'eau. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, le guetteur de l'eau. Je vais la protéger aussi parce que je me dis, on ne sait jamais. De toute façon, toutes les cartes, les amis, du Seigneur des Anneaux vont prendre de la valeur. C'est un produit qui va être plus recherché que les autres. On a déjà eu le rapport avec Warhammer 40 000 où 6 mois après les prix avaient doublé. Alors là je pense que vraiment ça touche même les personnes qui jouent pas au Magic mais qui aiment le Seigneur des Anneaux, tous les collectionneurs de produits. Donc voilà, donc les amis, l'anneau unique c'est incroyable. Et puis sinon j'ai eu pas mal de cartes extra. Combien j'en ai eu? Hop, je vais vous montrer. J'en ai eu au moins une par booster d'extension, donc c'est pas mal, même plus. 1, 2, 3. 3 communes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peu communes et une rare. Et dans les 6 peu communes, j'en ai une foil. Donc ça fait 9, ça fait 10 cartes en 8 boosters. Donc les amis, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, comme je le fais d'habitude, je vais vous faire l'analyse et les statistiques de ce bundle avec les cours que je vais pouvoir trouver, essayer de trouver un truc précis, mais au moins à aujourd'hui, comme ça vous saurez à peu près ce que je vais vous donner plein d'informations, je veux dire le nombre de cartes différentes obtenues également, ça c'est important, surtout pour les collectionneurs. Et puis bah, les amis, j'espère très vite vous retrouver pour d'autres produits, il va y en avoir beaucoup de cette édition. Là c'était une avant-première, en attendant le flot de produits qui va arriver dans les jours à venir. Mais voilà, c'était une super avant-première avec l'anneau unique. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.